Juin 43. Ce matin-là, pour profiter de nuages complices, le commandant du secteur autorise le squadron à envoyer deux avions en rhubarb. Dans le langage de la R.A.F., la rhubarb, c'est une patrouille offensive. Je réussis à décrocher la mission. Jeff Huntley sera mon numéro 2. C'est un excellent camarade et un bon pilote. La mission, c'est arriver en rasemotte dans la région de Deauville, filer vers le sud jusqu'à Lisieux, puis virage vers l'ouest vers Caen et Mésidon, et ressortir par le canal de Caen. Il est entendu que nous ferons demi-tour si la couverture nuageuse n'est pas suffisante. En effet, le parcours est marqué par les grands nids allemands de Caen, Bernay, Conches, Saint-André et Beaumont-le-Roger. Les Jerry sont constamment en alerte. C'est parti pour la traversée. Les nuages sont bas, il faut être très attentif. Comme prévu, le temps est moins sale de ce côté de la Manche. Ma navigation a été bonne, nous sautons la côte à hauteur de Deauville. Pas âme qui vive, la ville semble morte, même la flaque est restée silencieuse. Je suis la ligne de chemin de fer, en faisant un petit crochet pour éviter Pont-l'Évêque. Rien sur la route, rien dans l'air. À croire qu'ils sont tous morts. Au loin, j'aperçois la basilique de Lisieux. Virage à droite et cap à l'ouest. Jeff proteste contre les 88 de Lisieux qui viennent de se réveiller. Mais à part cette flaque, la France est totalement vide. Nous nous écartons de la voie ferrée pour passer au large de Mésidon. C'est une ville qui est bourrée de flaques. Enfin, devant nous, sur la ligne de Caen, une fumée. Train de marchandises ou de voyageurs ? À l'arrière, j'aperçois une plateforme de flaques, et la même à l'avant. Nos scrupules éteints, nous fonçons. Une pression du pouce sur la détente. Les obus ont fait mouche, c'est au tour de Jeff maintenant.
Hello, Jaco. That shocks them. Good show, Jeff. Let's go on now. Nous reprenons la route vers Caen. J'entame un large 90 à droite pour retourner vers la mer. Tout à coup, une batterie ouvre le feu. J'ai vu à qui je devais cet accueil. La batterie s'est tue définitivement. Cap sur l'Angleterre et son mauvais temps.